Fantôme 509 qui démentit information qui t'a voulu faire connaître que policier qui t'est tombé dans affrontement soudainement, c'est pas eux-mêmes qui t'est la cause drame si là. Et dans Matin Caraïbe, yon policier, yon membre dans Fantôme 69 là, disons, t'es relé dans Grand Boulevard lui-même pour expliquer comment ça t'est et faire connait que Fantôme 509 pa gen an yen pouwe avec ça qui rivé policier et t'a semblé c'est yon bagay qui planifié policier pa jam gen tout bal sou li. C'est pendant rivé nan mog yo vin trouver tout bal sou li, yo vin trouver que lui-même li nan yon état défavorable. T'a semblé policier a lui-même li t'était déjà gen un petit malaise depuis bien avant te gen yon affrontement Fantôme 509 là. Alors Fantôme 509 démenti information qui t'a voulu faire connait que c'est eux-mêmes qui la cause policier ça lui-même li rivé perdu la ville. Divers citoyens te prend micro la presse yon façon pour eux-mêmes pour capable faire frustration au passé, yon façon tout pour y demander départ président Jovenel Moïse et annoncer yon match qui gen pour fête 28-29 mois si là yon même qui fait connait et match ça qui concerné pour président lui-même capable respecter constitution et pour président reconnaître que mandal bout pour président Jovenel Moïse rivé quitter pouvoir et faire connait opposition lui-même li nan kan policier parce que policier même y a recevoir des mauvais traitements et faire connait tout que policier c'est confrère alors yo même yo gain priorité solidaire avec policier et inviter tout policier pour rejoindre yo dans lutte si là rete connecté nous pral moutro dans vidéo comment ça atterrir dans micro la presse diverses partisans dans opposition même qui tap bail et prendre vie par yo qui tap bail une conférence de presse alors nous pral montrer comment ça teye. Avant même que nous laissons visualiser vidéo à pas oublier ou sous GNG qui toujours là pour abousquer toute dernière information nous connaît qu'a fait la une sur internet là déjà qu'on divise par nous c'est al chercher information ça yo pour nous porter pour yon façon pour nous toujours kembe informé. Ou même qui déjà abonné avec chaîne là qui te prend quelques secondes pour nous remercier et ou même qui a regardé vidéo ça pas oublier toujours abonner avec chaîne là pour nous capable agrandir communauté GNG visualiser vidéo et puis n'a tourner après pour plus commentaires. La meilleure constitution de ce pays, côté qui va être haïtien droit depuis dans section communale là, pour défendre l'intérêt, nous demandons peuple haïtien, les 29, pour venir faire un plébiscite, pour venir faire un référendum, pour venir prouver le monde entier. Constitution de 2007 là, c'est à venir à marcher, et constitution est tout. Et nous allons montrer les 29 tout, que Jovenel Moïse, mandat Jovenel, consécutif. Et c'est pour ça que nous avons la conférence. Nous avons continué à mobiliser, nous avons continué à travailler. Et pour Jovenel qui était balayé. Et pour la police nationale, pour ça qu'on bataillon, nous respectons, pour les gens qui kidnappent, pour les jeunes femmes et les jeunes garçons, pour être capables de faire une souffle dans le pays, parce que le système ça a contre la police. La police nationale là, que peuple haïtien à un moment donné lorsque l'armée d'Haïti t'a fait des exactions sur population lorsque l'armée d'Haïti t'est transformé en un groupe qui compte population il pas t'a servi population peuple a t'est sorti il t'est dit bayo police nationale yo pas de l'armée. Police nationale ça nous réaliser et nous ouais nous tout a assisté dans la tourmente. Police nationale ça que population pays d'Haïti te campé le demandé nous ouais yo la gueule dans politisation. Police nationale ça qui supposé planer au-dessus de tout groupe
police nationale ça qui supposé apolitique, malheureusement, nous ouais, ça qui a passé la donne. 30 mars, peuple haïtien pral sorti pour lui affirmer volonté que le gagne pour une police nationale qui planait au-dessus de tout. Le pays central sorti 30 mars pour dire police nationale ça, li là pour protéger et servir tout le monde, li pas là pour protéger et servir un petit groupe monde. Nous venons là aujourd'hui pour nous dire nous que ensemble, ce n'est pas affaire politique seulement lié, ça qui là, son maman Pemba lié, elle concerne toute couche. Ensemble avec la commission protestante, ensemble avec les organisations des droits humains, ensemble avec les organisations syndicales et de la société civile, nous allons faire ensemble trois journées, 28, 29 et 30 mars, cap venir là. Merci. D'accord, deuxième intervenant, c'est l'ingénieur Rosemond Cadel, lui-même qui va le mettre accent sous constitution surtout. Merci Daniel. Tout d'abord, on a commencé par saluer toute presse là. Presse parlée, presse télévisée, presse écrite. On a dit un gros merci. Un gros merci pour qui ça? Par le seul fait que c'est nous-mêmes qui fait intermédiaire, ça y est, l'interface entre secteurs, que ce soit secteur politique, société civile et autres, et population. Si nous ne travaillons, eh bien, secteur ça n'est pas capable de parler à la population. Il n'est pas bien facilité pour parler à la population. C'est pour cette raison que nous remercions nous en pile pour les efforts que nous faisons dans ce sens ça et ces participations nous dans la bataille qu'a mené dans l'intérêt national pays. Je dis à la, nous réunis, là, il y a un secteur politique, plusieurs groupes politiques qui mettaient ensemble, nous avons fait une grosse conférence de presse pour inviter la population à participer à ça qu'on va le faire dans trois jours, 28, 29, 30, et tout ça, c'est en faveur de la Constitution 87, là, qui a 34 ans. Il va le fêter 34e année. Constitution 87 là, c'est le premier outil, c'est le premier âme que le peuple, la population a été baillé tête li, l'elle fin fait 86 et l'elle nous prend décision pour entrer dans Santa Carrelé dans une démarche démocratique. Parce que nous avons regardé la Constitution, tout ça qui est là dans le lieu, tout sous jeune charpenté, c'est pour qui ça y est charpenté dans l'intérêt population haïtienne. D'une part pour respecter droit. Deuxièmement, ce n'est pas seulement droit pour me parler, mais il y a un paquet de droits là-dedans, droit économique. La Constitution prévoit que faut tout haïtien qui a un bagage là fait pour le cap générer l'argent pour ne pas rester avec. Il n'y a pas besoin de charité pour nous faire, mais il faut le bon activité. Et lui exiger en quelque sorte pouvoir exécutif pour prendre des dispositions pour que vous respectiez le droit économique. Il y a un droit social là-dedans. Le droit social là, c'est que lui exiger tout, que tout le monde à l'école, que l'État assure, garantit en quelque sorte, droit tout le monde pour y aller à l'école. Et droit pour tout le monde de santé. Donc, il y a un pile monde qui pense que constitution c'est seulement droit à la parole, ce n'est pas ça. Il y a un droit économique, il y a un droit social là-dedans, il y a un droit politique. Droit pour organiser un parti politique, une organisation et droit monde qui a fait pression sur le pouvoir exécutif. Il fait obligation à Santa Carrelé le pouvoir exécutif là pour bailler des informations. Pouvoir pas cabriter la fait salpito sans pas bailler population information. C'est pour cette raison nous qu'a dit que la Constitution 87 là faut nous songer bien parce que grand pile monde là qui pas c'est ti moun yo teye yo pas connait gen moun ki pou te ko fait et bien son une constitution qui t'est votée à l'unanimité ça veut dire
presque tout haïtien et haïtienne dans l'époque ça te voté constitution et dit oui on d'accord avec ça on d'accord avec les outils ça avec zam ça qui pour orienter en quelque sorte toute action qu'a fait en un pays ça. Je dis à là nous qu'a dit que constitution gagne un problème. Il gagne un problème par le seul fait que président qui toujours élu depuis la constitution en vigueur, yo pas jamais respecté constitution réellement. Yo prend ça yo voulez la donne, yo violer ça yo et ça yo voulez la donner et gagne même qui décider déclarer que constitution sont source d'instabilité, ce qui est grave pour le président de la République. Ou décider que sont source d'instabilité, outils qui baillent orientation en un pays. Et remarque que n'a fait c'est que ensemble de constituants qui étaient écrit constitution, yo te connaît bien que c'est pas une œuvre parfaite que le pays, c'est-à-dire son œuvre humaine, donc par conséquent, il y a des correction pour faire. Pour plusieurs raisons. Premièrement, la population, parce que la constitution faite pour gérer le pays à l'intérêt de la population. Population, c'est pas un bagage qui était, c'est pas un élément qui était stable, qui était fixé. Il n'est pas fixe, il est dynamique. Population est dynamique, c'est-à-dire la peut évoluer. Jeunesse qui était là en 1950, là, c'est pas lui là, je veux dire. Besoin de jeunesse là, te gagné en 1950, ce n'est pas même besoin que jeunesse aujourd'hui a gagné. Donc, par conséquent, la constitution fait pour adapter à besoin ça. Et besoin ça, l'aller dans toute population. Et c'est pour cette raison, que vous mettez en la constitution un mécanisme pour amender, c'est-à-dire pour adapter à certaines réalités, à certaines contraintes qu'on a gagné. Et mécanisme ça, ou mettez en branle chaque fin de législature. C'est-à-dire, si nous prenons chambre députée, chaque 4 ans, eh bien, il y a un pour le faire proposer un amendement. Eh bien, ça, nous constatons, le président, il n'y a pas jamais mis ça en application, sauf le président Préval qui était essayé, mais c'est un gargouin, côté, qui n'a pas respecté les marches-là. Donc, pas croire que nous, mon pays a un problème de constitution, il y a un pays, il y a un problème de président. Le président qui parle à hauteur de tâches, de fonctions, il n'a pas de capacité, il n'a pas de compétences, eh bien, vous mettez ça sous deux constitutions. On regarde un article constitution. Parce que constitution, tu comprends que pour faire démocratie, il faut gagner parti politique. Parti politique, c'est pilier dans les affaires démocratie. Eh bien, il te dit 1% dans l'entrée fiscale, c'est ça qui est inscrit dans la Constitution, dans l'entrée fiscale pays, pour aller vers les partis politiques, moyennant une loi. Ce n'est pas un bayan qui distribue par les partis politiques, c'est en fonction de résultats qu'on fait en élection qui passe, eh bien, il y a baou ou gagner un financement qui est baou pour capable de développer les partis politiques. Et nous, je dis, oui, toute partie politique faible, etc., il n'y a pas d'institution. Eh bien, c'est ça qui te prévoit dans la Constitution. Eh bien, tout président bloqué à dire ça, il n'y a pas jamais appliqué, pas jamais de financement pour les partis politiques. Ce qui est une violation grave de la Constitution. Maintenant, on a dit, on pose peut-être des questions que les politiciens, je dis, le pouvoir exécutif, je dis, a essayé de faire l'autre Constitution. N'a demandé est-ce que ces constitutions 87 là qu'empêcher que vous mettez sécurité dans le pays? Est-ce que ces constitutions 87 là qui empêchait que vous établi une politique qui permette que tout le monde ait mangé? Côté que la faim, je dis, a menacé plus de 4 millions de monde dans le pays. Est-ce que ces constitutions 87 là qui empêchait pouvoir ça combattre la corruption dans le pays? Est-ce que c'est la Constitution 87 là qui fait l'école à fonctionner tête en bas dans le pays, que l'hôpital tête en bas, que tout bail tête en bas dans le pays, que fatra tout partout, que gang installé sur tout le territoire national? Est-ce que c'est la Constitution 87 là qui fait ça? C'est pour cette raison que nous avons dit, problème pays a pas de problème constitution, pays a un problème
et dirigeant. Dit qu'il y a un problème dirigeant, des dirigeants corrompus, des dirigeants incompétents, des dirigeants qui n'ont pas décidé de respecter les lois, les règles, qui n'ont pas décidé de respecter les paroles que vous bail. Mais voici mes problèmes pays. Donc, à partir de ce moment, nous croyons que aujourd'hui, on a invité, on a demandé aux Haïtiens, pour toute population, qui a voté, même si il y a un peu de monde qui parle, il y a un monde qui vient nouveau. Mais c'est petit monde qui était petit ou bien petit, petit monde qui était voté la Constitution 87 là, mars 1987. Eh bien, il faut sortir en masse. En masse pendant ces 3 jours pour nous commémorer, pas seulement commémorer la Constitution. C'est pour nous dire non, nous ne voulons pas l'autre Constitution. Oui, la Constitution 87 là, elle est bonne. On est capable de demander. Ou capable de changer bah, la donnée pour adapter la réalité. Non, le pays n'a pas de problème de constitution, il y a un problème de dirigeant. Mais ça que nous-mêmes nous voulons demander à la population, de telle sorte que ça nous te voté à l'unanimité pour que nous ne pas décider. Je dis à la un président de facto qui décide et de façon unilatérale, personnellement, un grand monde lui décide de changer la constitution du pays. C'est comme si tout le reste du pays n'a pas voulu dire rien, et bien, lui décide pour contre lui de changer en quelque sorte la constitution du pays. Donc, nous dit, c'est pas une nouvelle constitution qui va changer ça là. C'est une nouvelle gouvernance, une nouvelle vision politique, une nouvelle façon de faire de la politique en Haïti avec des gens compétents, sérieux et qui ca combattre la corruption, combattre l'insécurité, qui ca combattre cette question de gang en le pays. Mais côté problème là et développer Santa Cabrelé une possibilité, une politique qui ca mener Santa Cabrelé la richesse en le pays qui pour partager en tout le monde. Mais côté problème là et c'est ça demander population pour venir manifester le 28, 29 et 30 mars prochain. Merci beaucoup. Deux premiers